commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Hello gamers, gameuses, bienvenue, on est là pour la suite, on continue l'histoire, on lâche rien. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre un tout petit peu plus loin. Putain la vache, ils sont pas bien les mecs. Alors, on avait dit juste avant minuit, donc on va se mettre ici. Juste avant minuit. Eh ouais. Voilà. Non, mais n'importe quoi. C'est pas juste avant midi, c'est minuit. Voilà, 23h. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Oh oui. Et ben voilà, on est bon. Et là, on a juste à faire attention. Alors, donc là, on file au rendez-vous. Soyez au point au rendez-vous juste avant minuit. Là, mes épées, elles ont besoin d'être réparées. J'ai même pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Allez, juste avant minuit. On se dépêche, l'heure tourne. J'aurais peut-être dû mettre 22h, en fait. J'espère que c'est pas trop loin non plus. Yvan. Cinq minutes plus tard. Ah. Chris, comment as-tu... Ah, oh, Dijkstra, c'est ça? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant. Plafond effondré, murs couverts de salpêtre, chiures de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi. Meng? Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le purin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Oh, répondez oui. À nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. C'est pas gentil, ça. Hein. C'est un bien vilain langage envers une dame. Vous appelez ça une dame? Je ne vois qu'une sorcière. Les sorcières sont encore plus susceptibles. Ça vous suffit? Foutre, non. Je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début. Vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal. Et pourtant si. Assez. Bon bah alors. Alors, on se met à table? Oui. Posez vos foutues questions. Nous cherchons Jaskier. Nous savons que Meng l'a capturé. C'est... Tout ça pour ça? Un foutu ménestrel! Il fallait le dire d'emblée, avant de me foyer la cervelle avec votre sale magie. Pas croyable. Tout ça pour un saltimbanque. Venez-en au fait. Jaskier est sur l'île du Temple, dans les geôles situées sous le Temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Oh, comment peut-on libérer Jaskier? Bah oui. Ceux qui quittent l'île du Temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Je te raconterai. C'est bon, ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident et... Pas si vite. Geralt. Je sais. Il en a trop vu.
Mais pourquoi je vous ai dit... Jamais je ne... Soit il meurt, soit j'efface sa mémoire. Ah ! Efface-lui la mémoire. Ouais, quand même. Mais je vous ai aidé. Je vous ai... Ce n'est pas si terrible. Promis. Isley. Angef. Comment te sens-tu ? Indigne. Vil. Cruel. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Ouh. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île, et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt. D'accord ? Oxenfurt. Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il c'est pu ça, échapper aux flammes. Le truc. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. Un Doppler. Mm-hmm. Ton vieil ami, Doudou Biberveld, a bien imité un négociant Alflin, n'est-ce pas ? D'après Jaskier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet... Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Vas-y. Mais pas ici, pas maintenant. Oh ! Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Ok. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ah ouais ! Elle triche, elle. Question de vie ou de mort. Il faut sauver Jaskier. Alors vas-y, est-ce que... Voyage rapidos. Alors, ah oui, il y a moyen de gagner du temps là. L'ordre doit régner. Oui. La vermine la plus immonde inonde nos. Voyez le sorceleur. C'est bon. J'ai la tête qui tourne. C'est la fête là-dedans. Patronne me dit quelque chose. Ouais. Je me suis trompé, non? Ouais, j'ai dû me tromper. Je suis perdu. Donc là, je dois descendre, je dois aller... Là. C'est ça, c'était en bas. J'étais persuadé que c'était en haut, quoi. Gérald ! Oui ! Je sais où se trouve Jaskier. Où ça ? Dans les cachots de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Très simple. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jaskier, pour ensuite espérer trouver Ciri ? Oui. À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais bonne chance à vous. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Prenez soin de vous. Wouah! Trouvez le repère du petit bâtard. Rendez-vous à l'arène du petit bâtard. Trouvez le casino du bâtard. Pff,
Ok. Chercheriez-vous à me sauver? Si telle était mon intention, madame, c'est la dernière fois. Pardon, pardon, poussez-vous. Oui, bah. Là, j'ai plein de bâtards à aller voir. Allez. Bon, on va prendre. On va suivre le truc. De toute façon, je pense que ça va être le mieux. Ah là, ça dort. Enfin non, ça se lève là. Fanatique brûlerait les arcs-en-ciel si c'était dans leur pouvoir. Les meilleures affaires, c'est... Est-ce que je peux gagner du temps avec un petit épée? Oh, j'ai jamais été là-bas. Ok. Des rustres. Il n'y a que ça partout. Allez. Hop là. Ouais. C'est possible que vous allez entendre ronfler. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. C'est un bulldog français en fait, en plein exercice. Si on tombe nez à nez avec le bâtard dans cette bicoque, je veux bien qu'on me la coupe. T'as entendu sur un an? Faut regarder partout. Est-ce qu'on peut monter? On dirait que... Ah, le nettoyage a déjà été fait dans le coin, là. Non, 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 c'est en bas. Bon, je vais parler à... Allez. Si j'engageais un sorceleur... Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes l'ami de Roven, c'est bien ça? J'ai entendu parler de vous. C'est vous le chef ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je cherche le bâtard. Ah! Bienvenue au club, l'ami. Le petit bâtard est très populaire en ce moment. Mais vous fatiguez pas à chercher. Vous le trouverez pas dans le coin. Vous savez où je peux le trouver? Non. Vous n'y êtes pas allé de main morte? Ouais, on s'est un peu emporté. On s'est pointé ici pour demander poliment au petit bâtard de nous suivre avec sa clique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hommes n'ont pas franchement le sens de l'hospitalité. Je vais inspecter la maison. Ouais, je vous tiens à l'œil. Fais gaffe, toi. Alors... Oh! J'aurais du mal à trouver du travail ici, sorceleur. Rien d'intéressant ici. T'inquiète. Sûrement à l'étage. Bon, je me sers, hein. De toute façon, il y a... Ils sont tous morts. J'ai engagé un sorceleur pour recouvrer mes créances. Ok, parce que ça va permettre aussi d'avoir un petit peu d'argent. Allez, direction l'étage. Donc là, il doit y avoir... Ouais. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Peut-être encore à l'étage? Ah ouais, ils ont vraiment fait le ménage partout, hein. Ok. Ça y a un truc là. Il y en a un autre là-bas. Ok, parfait. Rien d'intéressant ici. Non. Il y avait encore un truc là tout à l'heure. T'en fais pas trop de bruit. Bon, je pense qu'on est bon. On a fait la fameuse enquête. Donc là, on peut descendre. Et on se casse. Oui, salut les nains. On se casse. Ah, lourd.
éternel soit avec vous. On va à la prochaine étape. Sacré vent. Oui. La voix qui prend. C'est quoi ça ? Poisson frais. Il vient de le dire. On va se dépêcher. Allez, 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 allez. Bougez-vous, bougez-vous. Dégagez, là. Ah, ah, ah. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on se casse. Ah. Hop. On est où, là ? 72, ouais, c'est bon. On est presque arrivé. C'est grand, hein. C'est des grandes, grandes, grandes villes. Je crois qu'il y en a qui... On passe pas. Allez voir ailleurs. Ah ouais ? Alors fais attention à toi, mec. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas planté là, tirez-vous. Ouais, j'ai pas le... Ce morceau de papier, ça vous dit quelque chose ? Ouais, c'est un contrat. Bien, vous savez lire. Et qu'est-ce qui est écrit dessus ? Zdenek ? C'est un contrat pour Zdenek. C'est ça. Et Zdenek, c'est moi. D'autres questions ? Non, vous pouvez entrer. Je préfère... Faites pas le malin. Vous allez voir Igor directement. Très bien. Et ben voilà, le laisser passer. Préparez-vous, ce sera bientôt votre tour. T'es pas très net, toi. Les perdants ont droit à quelque chose. Ouais, un aller simple pour le crématoire. Vous seriez moins palichon si vous mangez de l'oignon à l'huile. D'accord, ok. C'est triste. Oh. Les épées, pas bête. N'avez pas oublié de le brancher. Je lui ai donné une épée rouillée. Qu'est-ce que t'as à me regarder de travers ? Igor Dosgore, salut mec. Je cherche du travail. Et vous savez faire quoi ? Je me débrouille assez bien avec une épée. Des flancs, je n'ai pas acheté de natte. Des gardes du corps. Vraiment ? Garde du corps de qui ? Le petit bâtard a de nombreux ennemis. C'est bien connu. Je pourrais lui être très utile. Ne vous en faites pas pour lui. Il sait se débrouiller tout seul. Mais comment savez-vous que cet endroit lui appartient ? Je le sais. C'est tout. Un bon conseil. Si vous tenez à la vie, oubliez ce que vous avez entendu sur le bâtard. Je ne suis pas votre larbin. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Et encore moins de conseils. T'es peut-être pas mon larbin, mais personne ne me parle sur ce ton. Tuez-le. Attention! Ah, c'est la bagarre, hein. Amène-toi. Je vais te découper en tranches. Allez, viens là, toi. Attends, 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 attends. Allez, viens là, toi. À nous deux. Voilà. Ok. Allez les gars. Allez, viens là. Pitoyable. Je devrais fouiller le repère. Ok. La corne d'abondance, pour redonner un peu de vie.
La clé d'Igor, très important. Hihi. Attends, hop. Message pour Igor. S'en fout. Ah, truc pour réparer la viande crue. Le cuir durci, il m'en faut. Voilà. Allez, c'est parti, on va enquêter là. C'est pas ton jour de chance. Allez les gars. Voilà. La soie, pas mal. Oh. C'est tout ? Allez les gars, vous pouvez faire mieux là. Oh, 60. Maxi Viande, bonjour. Donc j'ai un courrier, donc je pense que je peux me barrer. Bon bah j'ai éliminé tout le bazar. Prochaine étape, lisez le document. Ouh là 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 là, attends. Carte du monde, non, inventaire, oui. La carte du monde. Consommable, non. Hop, là, c'est ici. Objet de quête. Message d'Igor. C'est ça. Un objet de valeur, un exemple déversé, aucune raison, tu vois que l'argent est à l'abri. Et l'argent est à l'abri. C'est pas un endroit pour vous ici. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. Oh. C'est dommage, hein? Je vais entrer. Je vous conseille de ne pas m'en empêcher. Sinon, quoi? Vous allez nous tuer? Exactement. T'as entendu ça? Et comment? Il nous a menacés et il a dégainé son arme. Crève, sale chien! Déjà combattu un sorceleur? Non. Ils avaient rien sur eux. Salut Picno, Olo. Allez, amène-toi. Wow, se calme. C'est impressionnant, ils veulent vraiment pas que j'assiste. Allez. Moi je me sers, de toute façon ils en ont plus besoin. Hop là voilà. Pas de chimique, pourquoi pas. De réparation amateur, on va aller à l'étage. Oh tiens, bonjour.
Je viens de tuer tout le monde, toi t'es pas inquiet. Votre réputation vous précède, Gérald. Allez, on va monter. Allez, approche. Va le tuer. Je devrais jeter un œil. C'est parti. Ouh, il y a une belle épée apparemment là. Je sais pas ce que ça vaut. Il est à moitié mort. Hey, vous m'entendez ? Rico ! Vous êtes encore en vie ? Comment vas-tu, Rico ? Ne me tuez pas. Non. Je n'en ai pas l'intention. Mais qui êtes-vous ? J'ai entendu des cris en bas. Du calme. Tout va bien. Tout va bien. Vous allez m'aider ? Vous n'avez rien de grave. Parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici ? À votre avis, je prends du bon temps, pardi. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas ? En fait, oui. Et alors ? Qu'avez-vous appris ? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Il faut, oui. Je dirai à Bedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les Redaniens. Ok, allez, on se sert, parfait, nickel, et on se casse. Allez, on perd pas de temps. De toute façon, tout le monde est mort là-dedans, ok. Bon, la fête est finie. Voilà, hop, c'est parti. Allez, on va parler à Dijkstra, machin, lien entre le petit bâtard et les Redaniens. Oh, j'adore les décors. Ah, les gens. Oh, 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 oh. Les rues sont devenues dangereuses. Il faut aussi te faire du blé, hein ? Ouais. Donc, hop, 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 je me suis trompé de route. Pardon. Oh, l'autre, il est en train de dormir. Notre monde brûlera, brûlera dans le feu éternel. Rien ne vaut une affaire pour le monde. Tu as un instant ? Oui. Que veux-tu ? Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment ? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Ma source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleus, ça ne te rappelle rien ? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Ok. Bonjour madame. Pas le temps.
Faut que j'aille parler à Shroom 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 Shroom. Repère. Oh, il est relou, lui. Je cherche Roche. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose ? Un Big Mac. Je vois. Et c'est quoi derrière vous ? Un camp de cueilleurs de baies ? Non, c'est pour observer les oiseaux. Et donc cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses ? Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et ils ne migrent pas par ici. Je vois. Je suis tombé sur le comique de service. Quoi ? Un comique ? Vous allez voir si je suis un comique. Défends-toi, vieillard. Oh ouais. C'est tout ce que tu sais faire. Attends. Défends-toi, vieillard. Attends, parce que je peux pas sortir mon arme. Vas-y, elle me saoule cette mouche. Je vais te faire avaler tes épées. Donne un nom, libérer la Téméria. Je veux grimer, point de fer. Pas mal, grand-père. Bordel, qu'est-ce que tu me veux ? Un sort, ça. Exactement ce qui manque. Ah, bon. Allez, on y est, là ? Geralt de Rive. Sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Téméria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Téméria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. Je... Tu peux, et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit, histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon ? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre ? Tu as vraiment de la chance, Geralt. Je dois justement rencontrer mon contact rédanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, bah écoute. Tu es prêt ? Mon contact m'attend au club d'échecs. Allons-y. Allons-y. On y va ! Honneur et patrie. Je me remplis vite fait la vie. La corne d'abondance. Trop pratique. Quelque chose ne va pas. Allons voir ça de plus près. V'là l'ambiance, toi.
Échec et mat. Le jeu des rois, paraît-il. La meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Pour développer votre intelligence ? Non. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Doudoum, doum-doum, doum-doum. Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ses cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur ? T'es un taré, mec. Oui, sire, je crois que je comprends. Vous ne comprenez rien du tout. Vous cherchez juste à me flatter. Je ne parlais pas littéralement, bien sûr. Premier secret, un monarque est toujours entouré d'imbéciles. Compris ? Je comprends mieux. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous ? Il vous l'expliquera mieux lui-même. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous ? C'est personnel. Très bien, je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Ochsenfurt. Bien peu de personnes le savent. Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. Pourquoi me le livrer ? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté, et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne m'est plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Ok. Partez maintenant. Quant à vous, Roche, nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Geralt, maintenant que j'y pense, j'aurais bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sin. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison. Passe me voir au camp, je t'expliquerai. Je vais voir ça. À bientôt, Roche. Allez, on va pénétrer dans le repère d'Optobatar. Bon, c'est où ? C'est loin ou quoi ? Eulon, non ? Retourne sur ton rocher, Vermin. On va aller le voir. On va lui parler. Ou pas. Donc il adore changer de femme, etc. Donc je pense pas qu'on va s'habiller en prostituée. Il a entendu hurler hier. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à cette pauvre fille ? Le chevalier des contes de fées. Il y a tout le temps des vues qui rentrent, mais il n'y a jamais personne qui ressort.
Ah, oh, ça, le patron, il a un sacré appétit. Que voulez-vous? Où est le bâtard? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Holgar et Vic. Oui, maintenant c'est ton maintenant tour. Que vous le dites, c'est bien possible, oui. Attendez voir, Holgar et Vic. C'est bien ça? Saluez-les de ma part. Finissons-en. Voilà. Non. Bon, Lilou, multipass. Voilà. Ouh là 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 là. Ouh, ça sent l'embrouille. Ouh, ça sent l'embrouille. Il y a du monde là. En plus, mon épée, elle est complètement abîmée. Oh là là. Hop. Bon, je pense qu'on n'est pas là juste pour discuter. Vu comment ça part... Ok, hop. Déjà combattu un sorceleur. Vas-y, sors ton épée, toi, qu'est-ce que tu fais? Ok. Nescafé Cappuccino à qui le tour? Là, le... Ok. Bah, je pense dans un bâtiment, hein, déjà. On va essayer celui-là. Défoncez-le. Ah! Fini de jouer. Sors ton épée. Mec, ouais, ça va être mieux, non? Voilà. Je pense que ça va être mieux. Là, ici. Y'a quelqu'un? La petite bâtard. Quelqu'un? Fouiller la résidence. Du pain, du machin, du boursin. Et elle est où la résidence? C'est le... Bah de toute façon c'est ça, c'est le gros truc là. Ouais non, j'ai dû rater quelque chose. Là faut une clé. Une clé. Attends, il n'y a pas un gars qui aurait une clé. Là, vas-y, je vais tout prendre. Comme ça, pas de confusion. Peut-être l'autre là-bas. Que dalle. Sale pervers dégénéré.
S'il a touché un seul cheveu de Ciri, il va le regretter. Il est sérieux, le mec. Mais c'est pas un taré, c'est pire que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À l'aide ! Au secours ! Ah, ils sont tous morts. Que vous me voulez. Salut, petit. Je suis venu pour parler. Je ferai tout ce que vous voulez. C'est un psychopathe, le mec. La vache. Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Une fille ? Tout ça pour une putain ? Je veux cendrer, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui, je me souviens. C'est bien elle. Tu vas me dire... Parle-moi d'elle. Comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés ? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite ? Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué ! Ne mens pas. Sinon, je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur filage chose magique, et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Ciri Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché, alors. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Un phylactère. Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi, non. Mais je connais un gars qui... Qui connaît un gars ? Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. Quelques semaines plus tôt. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jasky, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Rassure-toi, tout ira bien, j'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe. Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. Il faut que je passe par les toits. Et nous voici avec Ciri.
Fallait pas que j'aille aussi loin. Une chambre au dernier étage, avec un balcon. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Je vais distribuer sa chienne. Où est le trésor de Raven ? Voilà ! Œil dent pour dent. Non ! Ils arrivent ! Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute! Défoncez-le! Butez-le! Allez, attrapez-la! Ok. Donc Doudou s'est mis en... Il s'est déguisé en machin, en petit bâtard. J'ai eu du mal avec lui là. Ouais. Y en a un autre. Voilà. Tout s'est bien passé, chef. Voilà ce qui s'est passé. C'est vrai, je vous le jure. Qu'est-il arrivé à la femme ? J'en ai pas la moindre idée. Elle a été blessée au dos. Mais elle est encore en vie, je vous le jure. Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son ami. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Je vous en prie. J'ai eu ce que je méritais. Pitié. Ah, pas assez. Je vous en supplie. Que les choses soient bien claires entre nous. Cette femme que je recherche est comme une fille pour moi.
C'est pour ça que je ne peux pas passer l'éponge. Non! Bon, y a pas que pour ça, mec. Hein. Non, mais attends, le mec. Mais c'est un taré. C'est un gros taré, quoi. Pouah. Bon, bah, la quête est finie. Hein, on l'a trouvé. On l'a trouvé, on l'a découpé. Tout s'est bien passé. Voilà. Une histoire ancienne. Ah. Votre problème est résolu, apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Non, en effet. Suivez-nous. Putain, il est pressé, le mec, hein? L'Oxenfurt traite au gore de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte rédanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ce navire a été construit grâce aux dons des nobles rédaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Et l'admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Eh ben voilà, on va arrêter là. Ça fait déjà pas mal là. Hein. Oui, oui, ça fait pas mal de temps. Je crois que c'est la plus grande. Ouais. Eh ben écoutez. On va se retrouver sur une autre vidéo de The Witcher. De toute façon, on va continuer encore et encore. On arrive à la vidéo numéro beaucoup. Allez, je vous dis ciao ciao et prenez soin de vous. Bye.